Merci beaucoup pour les jolies présentations. À continuation, passons à présenter notre ultime intervention, corre à cargo du Dr. David Smith, directeur d'investigation en le Centre National d'Investigaciones Científicas, le Centre d'Estudios Nucléaires de Bordeaux-Grandignan y también correspondiente al Centro Nacional de Investigación, Centro Nacional de Recherche Scientifique, Centro de Investigación Científica francés. Él es astrofísico internacional en todos los sentidos, nacido y educado en Berkeley, California. Ha desarrollado su carrera desde Chicago hasta Burdeos, pasando por Ginebra, Estrasburgo, París, Pisa, La Palma. Especialista en astropartículas y altas energías, ha participado en proyectos como el satélite Fermi o los telescopios de rayos gamma Cherenkov instalados en La Palma. Actualmente es director, como ya dijimos, de investigación en el Centro de Estudios Nucleares de Bordeaux-Grandignan y el sonoro título de su conferencia es Escuchar los agujeros negros. Y ahora todos, todas, vamos a escuchar con infinita atención su ponencia. Doctor. Bonjour, est-ce que oui, ça fonctionne, c'est très bien. Donc bonjour et surtout merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir invités ici pour cette très belle conférence dans cette belle région et c'est vraiment un plaisir d'être là. Et sur ce, on y va. Donc, une brotée de rayos gamma con ondas gravitationales, kilonova, la fusion cataclysmique d'étoiles à neutrons. Voilà, ça marche presque. Voilà. Donc, cet événement, le 17 août 2017, fait que beaucoup de questions ont été ouvertes, des fils rouges différents qui existaient depuis des décennies. Tout d'un coup, on trouvait des réponses et se sont trouvés unis. Et moi, ça m'émerveille le fait que des sujets a priori assez différents se trouvent tous dans un même bac en même temps. Alors, ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est de raconter comment cet événement, cette flash de rayons gamma et l'arrivée des ondes gravitationnelles, a pu répondre à une question qui existe depuis les années 30, depuis le début du siècle, depuis les années 20, depuis la guerre froide, depuis l'après-guerre, dans tout un sujet. Voilà. Alors, je dis résolu, bien sûr que non, mais bien avancé en tout cas. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, avant, un peu de contexte. Je pense que tout le monde ici est au courant que depuis 2015, on sait détecter les ondes gravitationnelles et qu'on a détecté la fusion de grands trous noirs, de trous noirs ayant des dizaines de masses solaires qui se sont fusionnés pour faire un trou noir final de presque deux fois la masse, presque la somme des deux trous initiaux. Je dis presque parce que la différence en énergie a été rayonnée en ondes gravitationnelles. Einstein nous a appris que E égale mc2. M, en l'occurrence, c'est trois fois la masse du Soleil, qui fait que E, c'est beaucoup. Voilà. Donc voici une des antennes d'ondes gravitationnelles dans la Louisiane. Voilà. Alors les trous noirs, on en a beaucoup parlé. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait quelque chose à voir pour vous, les experts de l'optique. On ne s'y attend pas et on a regardé très fort et effectivement, on n'a rien vu. Mais ce qui s'est passé en 2017, c'est tout à fait autre chose. Ce n'était pas des trous noirs, mais des étoiles à neutrons. On va parler un peu des étoiles à neutrons ce matin. Donc voilà, ça a été capté par les deux antennes d'ondes gravitationnelles aux États-Unis. Ça n'a pas été capté par l'antenne franco-italienne qui se trouve à côté de Pise, mais le fait qu'on savait parfaitement bien que cette antenne fonctionnait ce jour-là, on le savait parce que trois jours avant, on avait détecté avec Virgo la fusion de trous noirs,
on savait que l'appareil fonctionnait et que si l'événement avait eu lieu dans une partie du ciel accessible par cette antenne, on l'aurait vu. Et donc, ça a aidé à localiser l'objet. Et dans ce genre d'études, la localisation, c'est tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le satellite sur lequel je travaille a vu une petite bouffée de rayon gamma juste au-dessus du niveau du bruit et qui a duré pas très longtemps. Et là, c'est écrit en 6 secondes. On a enregistré les données, on les a analysées et on a annoncé à la planète que ça avait eu lieu avec un espèce de télégramme robotisé qu'on envoie. On a appris plus tard que c'était une seconde et demie, 1,7 secondes, après que Virgo LIGO avait détecté une onde gravitationnelle. Là, on voit les dernières 6 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, avec une fréquence d'onde gravitationnelle qui augmente, et puis plus rien. Et eux, bon, ils ont mis 27 minutes pour analyser le signal et envoyer un télégramme à la planète. Et puis, 1 h 6 min plus tard, un autre satellite, vraiment un tout petit signal, presque perdu dans le bruit, mais il y avait confirmation. Et ça, on l'appelle le Gamma Ray Burst du 2017, août 17, ou bien Gravitational Waves, les ondes gravitationnelles. Donc, le satellite sur lequel je travaille, moi, je travaille avec l'instrument principal qui pèse 3 tonnes, mais il y a aussi ces petits compteurs qui sont assez similaires à les compteurs qu'on a vus hier matin par Maria Luisa, et c'est le Gamma Ray Burst Monitor qui a capté ce signal. Donc, en clair, l'onde gravitationnelle traverse l'espace, ça chatouille les appareils au sol, et puis les instruments disent « Moi, j'ai vu quelque chose, est-ce que vous l'avez vu ?» Et non, je ne l'ai pas senti, mais je l'ai vu. Ah. Donc, ça, c'est la chose qui a déclenché l'aventure. Il faut savoir qu'on s'attendait à ça depuis des années. Alors, on a eu très largement le temps de se mettre d'accord avec énormément d'astronomes sur la planète qui travaillent avec une grande diversité d'instruments au sol et dans l'espace et dans toutes les couleurs, que ce soit micro-ondes, infrarouges, radio, rayons X, voilà. Tout le monde a signé des papiers en disant on va partager les infos. Personne ne va jouer les prima donna et essayer de publier avant les autres. On va se coordonner et voilà. Et cette organisation, ils communiquent par ce qu'on appelle des télégrammes GCN, Gamma Ray Coordinates Network. Ce sont des espèces d'emails en texte très simple, avec un format standardisé très simple. Et en général, ça se passe tellement rapidement qu'il n'y a même pas un être humain. Ce sont les instruments robotisés qui envoient cette information et les ordinateurs des autres instruments qui les reçoivent et qui les traitent, qui vont décider, ah oui, c'est intéressant, effectivement, il fait nuit là où je suis, il n'y a pas de nuages, la chose est bien placée dans le ciel, je pourrais arrêter les observations en cours et tourner mon télescope là-dessus. À ce moment-là, en général, il va demander à un être humain, oui ou non, il y a un être humain qui est d'estreinte, qui va dire, ah oui, 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 c'est intéressant, on y va, il appuie sur le bouton, et ça se passe. Les plus rapides à dégainer, non, avant de dire ça, les plus rapides, c'était les gens qui manipulent un télescope d'un mètre, presque robotisé. Mais tout le problème, c'est où est-ce que je pointe mon télescope? Parce que Fermi-GBM a été les premiers, mais il y a une énorme zone sur le ciel où on a dit, ça vient de par là. Et vous savez, en tant qu'amateur, que le par là ne suffit pas pour trouver un objet dans l'oculaire. Virgo LIGO, eux, ils ont dit, oui, non, mais c'est clair, hein, ça vient de par là. À moins que, peut-être que ça vient de par là. Il y a une ambiguïté nord-sud, et puis même nord et sud, assez étroit en gauche-droite, mais très allongé.
Mais je répète ce que j'avais dit, le fait que Virgo ne l'a pas vu, ça permettait non seulement d'exclure la deuxième banane, je l'appelle ça, mais de réduire la taille. Et à ce moment-là, on a une zone suffisamment petite pour que des gens bien préparés puissent commencer à regarder. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont faire une grille et faire tous les points? Non, ils sont un peu plus malins que ça. Je pense qu'ils avaient déjà des listes de galaxies et qu'ils ont d'abord, c'est, allez, on va regarder toutes les galaxies. Et bingo, très rapidement, là, il y a une galaxie relativement inconnue avant et maintenant très, très célèbre. C'est devenu une star du jour au lendemain. Là, vous avez donc 10,9 heures après la détection des ondes gravitationnelles. Là, c'est une photo d'archive 3 semaines avant, 20 jours et demi, où on voit au même endroit, il n'y avait rien. Et à partir du moment qu'on a cette localisation magnifique d'une galaxie connue, donc NGC 4993, à ce moment-là, on connaît exactement la position dans le ciel, le type de galaxie, sa distance, et on peut y aller avec les moyens lourds. Et notamment, à ce moment-là, si on demande à Hubble d'arrêter les observations programmées et de se concentrer sur cet objet-là, Hubble va poser une question qui est, est-ce que vous savez où on doit pointer? Et à partir du moment qu'on dit oui, c'est NGC 4993, on peut y aller. Alors on a commencé à le regarder et vous voyez la galaxie haute, l'étoile, et là c'est écrit le 27 août, le 20... Non, j'arrive pas à lire. 22, 24, 26... Oh, c'est flou. Quelques jours, l'éclat diminue très rapidement. Donc on est clairement en face de... un événement explosif avec retombée de l'éclat. Quand je dis tout le monde, voici le papier dans le Astrophysical Journal. Ce n'est pas très net. Sur l'écran, c'est plus joli. Mais en clair, ça, c'est le temps. Donc ici, c'est des centaines de secondes. Et puis, il y a une petite rupture et c'est des jours. Un jour, 10 jours, 100 jours, je crois bien. Et puis, on voit onde gravitationnelle en premier, rayon gamma après, avec un suivi effet, et puis un télescope de rayon X, ultraviolet, optique, infrarouge, et la radio a mis très longtemps. Ici, vous avez une image en rayon X avec Chandra, ici, une image avec des interféromètres radio, donc, énormément d'informations, coordonnées qui viennent. On va parler un peu plus de ces spectres en optique plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà une animation. 2 étoiles à neutrons qui spiralent l'une autour de l'autre. En bleu, c'est la puissance en onde gravitationnelle rayonnée. Quand ça fusionne, ça génère un jet. Le jet se propage dans l'espace à un quart de la vitesse de la lumière. Et c'est là que sont générés les rayons gamma. Et puis, le jet, c'est presque immédiat, mais il y a une onde de choc et de matériel, les débris des étoiles à neutrons qui sont injectés dans l'espace et qui vont balayer le matériel qu'on trouve dans le milieu interstellaire, qui va s'accumuler, produire un choc, va être chauffé. Ce choc, on estime que le choc lui-même et le matériel avançaient à 10% de la vitesse de la lumière. Et les couleurs, donc j'avais déjà dit, le bleu pâle, c'est les ondes gravitationnelles, le bleu dans le jet, c'est les rayons gamma, mais les autres couleurs, c'est ce que j'avais évoqué avant, les rayons X qui viennent un peu plus tard, il faut le temps de chauffer les choses, infrarouge optique qui se développe sur les semaines, et en tout dernier, la radio. Vous voyez aussi que c'est un jet. Donc, vous pouvez imaginer que si le jet était orienté vers la Terre, on aurait eu plus d'éclat. Si ça allait par là, on n'aurait rien vu de tout. En l'occurrence, c'est un jet qui était juste à la limite de notre... On l'a vu en biais. Ça, c'est le code couleur. Donc,
J'ai commencé par dire qu'avec cet événement, on a commencé à répondre à toute une liste de questions. Voici la première. D'après les théories d'Einstein, toute particule sans masse va à une vitesse maximum qu'on appelle C. Et un exemple d'une particule sans masse, c'est la particule lumière, le photon. Et donc, dans les équations de l'électromagnétisme et dans les équations d'Einstein, la lumière se propage à cette vitesse maximale qu'on appelle la vitesse de la lumière, parce que jusqu'à présent, on ne connaissait que la lumière qui allait à cette vitesse-là. Dans les théories d'Einstein, la particule contrepartie des ondes gravitationnelles, parce que vous savez, en mécanique quantique, tout est en même temps ondulaire et corpusculaire. Tout est en même temps une onde et une particule. C'est aussi le cas pour les ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, la particule qui accompagne est sans masse, et donc ça devrait aller à la vitesse de la lumière. Et ici, on a, pour presque la première fois dans l'histoire de l'humanité, la possibilité de voir. Est-ce que c'est vrai? Alors, on fait l'hypothèse. Bon, vous avez vu l'animation. Et il est facile de croire que oui, l'écart de 1,7 seconde, c'est le temps qu'il a fallu pour que le jet se développe et que les rayons gamma soient émis. Mais admettons que les deux choses se passaient en fait simultanément, que l'animation était fausse. Admettons qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que la vitesse de la lumière, la vitesse de la gravitation ne sont pas les mêmes et qu'on a enfin trouvé une faille ou mettre les doigts pour trouver quelque chose au-delà des théories d'Einstein. Eh bien, quelle serait la différence? Eh bien, c'est 1,7 seconde divisé par 130 millions d'années-lumière. Et cette différence, eh bien, c'est 50 microns, c'est une épaisseur de cheveux, donc une vitesse d'une petite fraction d'un cheveu par seconde. Autrement dit, si je veux contredire Einstein avec une nouvelle théorie de gravitation, il ne faut pas que ma nouvelle théorie prédise une vitesse différente, comme est le cas pour beaucoup de théories. Pour redire la chose encore une fois, il existe sur le marché beaucoup de théories qui tentent d'aller au-delà d'Einstein. Eh bien, toutes ces théories qui prédisent une différence de vitesse de propagation, poubelle! Voilà. Donc, revenons à notre cher ami Albert. Là, c'est écrit 1916. En 1913, il a donc publié sa théorie de gravitation, la relativité générale, avec les équations de champ. Et le reste de sa vie, il s'est mis à explorer les conséquences de ces équations. Donc, on a ici, en 1916, il se lance dans une intégration approximative des équations de champ de la gravitation, et notamment, il arrive à la section 2, où il traite les ondes planes, c'est les plus simples. Et moi non plus, je ne parle pas l'allemand, ben, Ludwig si, mais moi non. Mais voilà, donc il est arrivé à deux conclusions. Une première conclusion, c'est que oui, une conséquence de ces théories, c'est qu'il doit y avoir des ondes. Et deuxième conclusion, c'est que ça va être tellement faible que jamais on va pouvoir réaliser une confirmation observationnelle. Ah, on a été plus malin qu'Einstein, n'est-ce pas? Donc, je pense que tout le monde a en tête ce genre d'image. Une grille qui est censée représenter l'espace-temps. Comment est-ce qu'on fait pour représenter quatre dimensions sur un écran de deux dimensions? Ben, on n'arrive pas. Donc, on a ce dessin qu'on aime bien. Donc, les orbites, la comète, la singularité qu'on appelle un trou noir. Et ici, j'ai la masse qui bouge très fort. Et chaque fois que ça bouge, eh bien, la déformation de l'espace-temps bouge aussi, et ça se propage dans l'espace, et ce sont là les ondes gravitationnelles qui se propagent à la vitesse de la lumière. Alors, quel genre de cataclysme d'explosion est susceptible d'en générer d'une intensité détectable? Eh bien, pas de supernova classique, pas de,
La très belle conférence qu'on vient de voir, on a vu que les étoiles normales respirent. Et c'est très joli. Mais ça ne respire pas assez fort, assez vite. Et en plus, c'est sphérique. Et quand c'est sphérique, ça ne génère pas les ondes gravitationnelles. Pour que les ondes soient émises, il faut qu'il y ait quelque chose de non sphérique. Et un système binaire qui spirale, c'est très bien. C'est très bien. Et d'autant plus que, vous, astronomes amateurs, vous savez que 20% des étoiles sont en système binaire, si ce n'est dans les régions où il y a beaucoup d'étoiles, dans les amas globulaires, ou plutôt la moitié. Donc c'est une chose extrêmement courante que les étoiles vivent en couple, que ce soit en orbite l'une autour de l'autre, et c'est bien sûr aussi le cas pour les étoiles à neutrons et pour les trous noirs, on le sait aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Et les ondes qui sont émises, eh bien, on a dit l'espace-temps est déformé, ça se propage dans le temps. Il y a deux polarisations. Je fais l'analogie avec la lumière polarisée. On peut avoir des filtres. Et puis, une chose, ben, Tintin et Milou, en l'occurrence, allongé, comprimé, le temps que ça passe. Il y a l'espace-temps, les objets se déplacent. De très peu, mais quand même. Donc, une fois de plus, je pense pas. Si vous n'étiez pas déjà au courant ben, ce matin, c'est pas là où je vais l'expliquer dans le détail, mais on a ces antennes. Ça, c'est la deuxième antenne américaine qui se trouve dans l'État de Washington. 4 km de tube à vide, un énorme laser très puissant qui envoie le faisceau dans les deux sens. Il revient de miroir, les meilleurs miroirs que l'homme sait faire. Et puis ici, ce qu'on appelle un interféromètre de Michelson-Morley qui profite du fait que la lumière est ondulaire, il y a une interférence et on peut avoir absence de lumière et intensité amplifiée de lumière. Voilà. Une petite animation. Ça, c'est le principe de ces interféromètres. Donc, les bras de 4 km, le laser initial, le miroir qui le coupe en deux. Et la lumière du laser est une lumière cohérente qui va jusqu'à la fin. Réflexion. En fait, on le fait réfléchir des centaines de fois pour augmenter la sensibilité, la puissance. Et puis, on renvoie sur un détecteur dans une interférence destructive. Ah. Excusez-moi, pendant que je parlais, il y a un onde gravitationnelle qui est passé et les miroirs ont bougé. Voilà. Et donc, normalement, c'est réglé pour qu'on ne capte pas de lumière, mais quand il s'est perturbé par le passage, par une déformation de l'espace-temps, le passage de l'onde gravitationnelle, eh bien, on voit un signal lumineux. Donc, voilà. Nobel, prix Nobel assez rapidement. Ça, c'était 2015 pour les trous noirs, 2017. Et aujourd'hui, ils continuent les observations. On a dépassé la trentaine de fusions de trous noirs. Là, c'est les masses solaires initiales, finales, pour plusieurs cas. D'autres trous noirs qu'on connaissait. Et puis, le sujet de la conférence aujourd'hui, la fusion de deux étoiles à neutrons, à savoir qu'on connaît beaucoup d'autres étoiles à neutrons, indépendamment de ça. Voilà, on va maintenant se concentrer un peu sur ce spirale jusqu'à la mort de deux objets compacts, la fréquence qui augmente, l'amplitude qui augmente. Quand c'est suffisamment proche, déformation des sphères. Voilà, ça se déforme, ça se fusionne, cataclysme, et dans l'état final, quelque chose de rond, quelque chose de sphérique. Et on a dit que quand c'est sphérique, ça n'émet plus d'onde gravitationnelle. Donc retenez cette évolution-là. Amplitude qui augmente, fréquence toujours plus aiguë, cataclysme final, et puis rien. Et on va analyser ça.
Donc, je me répète, j'ai la manie de me répéter. On appelle ça in spiral, spirale ensemble. Là, c'est un peu déformé. Là, j'attire votre attention sur le fait que pendant la fusion, ça a une forme de pomme de terre. En français, on appelle ça patatoïde. Je ne sais pas si en espagnol, on peut dire patatoïde. Sature, voilà. Et puis, ring down, ping, quand vous activez, vous excitez une cloche, ping, et puis ça se calme. Et la qualité du son, c'est-à-dire l'évolution du son en fonction du temps, ça dépend de la qualité de la cloche. Une belle cloche me fait ping, et une vieille casserole cabossée de mauvaise qualité à l'origine fait poing. Alors si je fais l'analyse du son, je peux vous dire de quoi est fait l'objet. Hein? Est-ce que c'est un bel alliage? Est-ce que c'est du toc? Voilà. Donc, je me répète, on a une longue période A. Je dis longue dans le cas des étoiles à neutrons, plus de 2 minutes. Dans le cas des trous noirs, c'était des centaines de millisecondes. Mais une longue période où, en fait, on n'a pas besoin d'Einstein, Newton nous suffit pour nous dire la période orbitale, ce que vous avez appris au lycée est valable. Et puis, presque à la fin, les dernières quelques rotations, là, les corrections dues à la relativité générale sont importantes, il faut en tenir compte. Et puis, la fusion, le patatoïde qui devient sphérique, et avec une qualité qu'on va déterminer, donc est-ce que c'est ping ou clonk, hein? Ça se passe là. Alors j'ai appelé ça A, B et C, et puis Y, c'est l'amplitude. Et avec toutes ces informations différentes, eh bien, avec juste cette partie-là, on connaît la masse totale du système, mais pas la masse des deux objets. Mais lorsqu'on ajoute cette partie-là, on a des informations supplémentaires, et on a les masses des deux objets. À la fin, avec tout ça, on a la masse finale. À partir du moment qu'on connaît les masses et les périodes, il y a une petite formule très simple qui me donne l'amplitude, et cette amplitude, c'est en termes absolus. Donc, c'est un peu une chandelle standard, comme on avait entendu pour les étoiles dans la conférence précédente. Ça fait que je connais l'intensité à la source, je mesure l'intensité à la Terre et j'ai donc la distance. Et ça, c'est trop bien. Voilà. Donc ici, aujourd'hui, c'est des amateurs. Donc vous connaissez, voilà, c'est une galaxie qu'on connaît, on connaît sa distance, on sait mesurer son décalage, c'est-à-dire sa vitesse de retrait. Et là, je l'ai mis juste pour rappel, mais je pense que vous le savez déjà. Donc, deuxième grande question, depuis les années 20, on sait que l'univers est en expansion. Depuis tout ce temps, on essaie d'améliorer la qualité de la détermination de la constante Hubble. Et on a ici, donc, avec un seul événement, une seule observation, on a la distance, on a la vitesse de retrait, on a une mesure de la vitesse qui est totalement indépendante de toutes les complications qui viennent avec, par exemple, les étoiles variables, les CFA, qui sont si joliment maîtrisées par beaucoup de gens, mais qui... Voilà. Donc, si je prends ces mesures-là et je le compare avec tout ce qui a déjà été fait, constante Hubble, eh bien, voilà, ah, il y a une grande incertitude. Bon, c'est la première fois, hein, on va en voir d'autres. La grosse incertitude, ben je pense que c'est principalement parce que cette galaxie était très proche. On fera mieux à l'avenir avec des galaxies plus lointaines. Mais une chose extrêmement amusante, on voulait qu'on tranche, on savait qu'il y a des accords entre tout ce qui est Planck et micro-ondes et Big Bang et début de l'univers. On a tendance à trouver, avec une grande précision, des petites incertitudes, une constante Hubble petite. Et toutes les autres mesures où on utilise les étoiles, le CFA, l'échelle des distances, les mesures de supernova et toutes ces choses-là, eh bien, on trouve plutôt une valeur grande. Et on espérait qu'avec ça, on allait trancher, oui ou non. Eh bien, c'est assez amusant.
ça tombe pile entre les deux. Donc, une affaire à suivre. Mais c'est un beau progrès. Voilà où est-ce qu'on en est. Voilà, donc ça on a fait, ça on a fait. Je vais parler rapidement des sursauts gamma. Je suis un astronome des rayons gamma, donc ça me parle particulièrement. On a déjà vu ça deux fois pendant la conférence, donc juste pour vous rappeler qu'on est sensible en visible. Les gamma, c'est par là, la radio, c'est par là. Et c'est une très belle histoire. Tout au long des années 50, la guerre froide, les grandes puissances étaient en train de perfectionner les armes de destruction massive, les bombes à hydrogène. Et ils faisaient ça en plein air. Donc il y avait tout le temps des bombes à hydrogène qui explosaient en Sibérie, dans le Pacifique, en Sahara, jusqu'au point où, à la fin des années 50, la pollution commençait à être vraiment gênante. Il y avait des isotopes radioactifs cancérogènes dans le lait de vache, dans le lait des jeunes mères. Et les autorités, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont signé en 1963 une interdiction de tests atmosphériques de bombes atomiques et de bombes à hydrogène. Et ils se sont donné 3 ans pour finir les tests qui étaient en cours. Voilà, bon. Mais aussi, ben, les Américains, on est des gens confiants, on fait confiance aux gens. Bien sûr, nos amis les Russes, mais non, on ne soupçonne pas qu'ils auraient triché, mais quand même, on voulait vérifier. Donc, top secret, la US Air Force a mis sur orbite une petite constellation de satellites avec des détecteurs de rayons gamma. L'idée étant, quand je passe au-dessus de la Sibérie, je vais voir s'il n'y aurait pas une petite bombe à hydrogène en train d'exploser. Eh bien, assez rapidement, oh, ces coquins de Russes, on en a capté dans les premières semaines des bouffées de rayons gamma. Oh, ah, les Russes, hein, on ne peut vraiment pas faire confiance à un communiste. Hein. Alors, avant de téléphoner à Moscou et engueuler les Russes, on a vérifié et on a vu, ben, on a détecté un autre en Australie. Ah bon? Et en Sibérie, en Pacifique, et en Atlantique du Sud. Et en plus, on a vu que ça ne venait pas d'en bas, mais ça venait d'en haut. Mais c'était top secret. Donc, on ne pouvait rien dire. Voilà. Alors, les militaires, ils commençaient à réfléchir. Des années après, les civils ont commencé à avoir des appareils avec un peu de sensibilité. Puis, des années après, bon, on avait compris que les Russes avaient compris quelles étaient nos capacités, on avait d'autres moyens. Donc, finalement, en 1974, on a annoncé la découverte des sursauts gamma, mais on ne savait pas ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était. Alors, une étape extrêmement importante, c'est en 1991, une grande observatoire de la NASA a été mise sur orbite, the Compton Gamma Ray Observatory, et un des 4 instruments, BATC, avait à répondre à la question mais c'est où dans le ciel? On en a vu quelques-uns, mais on ne sait même pas si c'est dans le système solaire, dans notre galaxie, dans les galaxies lointaines, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, vous savez parfaitement qu'on vit dans une grosse calette. Vous savez parfaitement que la distribution d'étoiles sur le ciel n'est pas uniforme. Donc, ce n'est pas la peine que je vous explique que si c'était dans la galaxie, on verrait les sursauts gamma concentrés sur l'équateur. Là, c'est la même chose en rayon gamma. Hein. Là, il y a le centre galactique avec le Sagittaire et Scorpio. C'est amusant de voir le centre galactique là-bas. Et là, on a le Taureau et j'ai un blanc, ça passera. Voilà. Donc, BATC a tourné, ils ont détecté 2704 de ces sursauts gamma avec la distribution sur le ciel, et on a vu que c'est isotrope. Ça vient de partout. Donc, les gens qui disaient « Ah, mais ça veut dire que ça vient localement, c'est pas très loin du système solaire », oui, alors, bon, très bien. Ça nous arrange, parce que le problème, c'est que si je mesure un flux d'énergie ici, la projecteur là-bas, une ampoule, bon, je mesure tant, et puis la puissance à la source, c'est la puissance que je mesure ici, multipliée par la distance au carré.
Et si la distance au carré, c'est des galaxies lointaines, eh bien, c'est une très grande distance, et au carré, ça me donne une puissance inimaginable. Inimaginable. Mais même si c'était à la distance de Pluton ou des comètes relativement locales au système solaire, eh bien, c'est moins puissant, mais on ne voit vraiment pas. Mais qu'est-ce qui peut ? Une comète ne va jamais me donner des gammas, mais c'est quoi ? Donc ici, on commence à soupçonner que on n'a aucune explication pour un phénomène local, donc c'est fatalement lointain, mais on aimerait bien savoir. Voilà. Ça, c'est une chose. L'autre chose que Batzé a découvert, c'est qu'en fait, il y a deux types. Il y en a qui sont courts et longs. Les longs, c'est 10 secondes jusqu'à 2-3 minutes, plutôt 2 que 3. Les courts, à une seconde, c'est terminé. C'est terminé. Donc, si vous voulez trouver une contrepartie, ne traînez pas. La première mesure de distance a été en 1997. Un sursaut qui s'appelle, qui a été vu le 8 mai 1997, et ça a été vu grâce à une petite voiture de sport, une Vespa, une mobilette, pas une mobilette, mais une Ferrari, pas une Ferrari, c'est trop cher, une petite satellite, pas chère et très performante, que les Italiens ont mis sur orbite, qui capte les rayons gamma, les localise, et puis un télescope optique pour le voir. Et bingo, galaxie haute, sursaut, galaxie connue, on mesure son décalage spectral, avec la loi de Hubble, on traduit en distance, et mamma mia, c'est très très loin, qui veut dire que la puissance totale, je prends ma calculette, je fais mon petit calcul, aussi puissant que tout le reste de l'univers pendant un instant. C'est beaucoup. Comment on fait ça ? Ouais. Voilà. Donc ça, c'était pour un GRB long. Là, on avait 2 minutes pour localiser et trouver. On a quand même mis encore 8 ans pour voir un sursaut rapide. Juste pour l'anecdote, le 29 avril 2009, on a vu le deuxième GRB de la journée, on a mesuré sa distance, un Z énorme, ça n'existe pas ça, Z égale 9, ça n'existe pas. L'univers a 13,7 milliards d'années, donc ça veut dire que l'objet qui a explosé, c'est quelque chose qui existait déjà quand l'univers n'avait même pas 500 millions d'années. Ou peut-être, oui, 500, 600. Mais quand l'univers était très jeune, il y avait déjà des galaxies, on suppose, on ne savait pas à ce moment-là, avec dans les galaxies des objets. Ouais. Donc, je vais accélérer un peu. Finalement, toutes ces théories, tout ce qu'on a mis ensemble, on a conclu que l'explication aujourd'hui, c'est que les sursauts longs, c'est comme une supernova. Supernova, c'est une étoile massive qui explose en fin de vie. La différence étant que c'est une étoile très massive, en rotation, avec un mélange de métaux, d'éléments lourds différents des étoiles massives habituelles. Et tout ça fait que, au lieu d'avoir un supernova, c'est ce qu'on appelle un hypernova, une explosion d'étoiles particulièrement intense. Et voilà. Et comme très souvent, lors de l'explosion, ce n'est pas sphérique, mais il va y avoir un jet avec un tore, une orientation. Les cours, là, c'est écrit étoiles entre guillemets, peut-être. Finalement, c'est des étoiles à neutrons, comme dans l'animation que je vous ai montrée. Voilà. Je redis la même chose. Les sursauts gamma, c'est toujours finalement une explosion cataclysmique. Dans le cas des sursauts longs, c'est cette hypernova. Et dans le cas des sursauts courts, c'est 2 étoiles à neutrons qui fusionnent, comme dans l'animation que vous avez vue, avec, dans tous les cas, un jet qui, par différents stades de son évolution, va rayonner en différentes couleurs, en différentes longueurs d'onde. Voilà. Donc, ça y est, je coche. On comprend les sursauts gamma, c'est très bien. Il me reste quelques sujets, là. Qu'est-ce une estrella neutrones? On se le demande.
Eh bien, en fait, c'est ici aujourd'hui, bon, il est évident que les gens qui sont dans la salle aujourd'hui savent ce que c'est qu'une étoile et même les naines blanches. Les étoiles à neutrons, je trouve c'est intéressant parce qu'il y a toute une progression de étoile normale, naine blanche, étoile à neutrons, trou noir, qui ne dépend que de la quantité de masse, la masse de l'étoile, et le rayon dans lequel c'est contenu. Et ce rapport M sur R, on appelle la compacité, combien c'est compact. Voilà. Alors, cette quantité est très importante. Par exemple, la vitesse de libération, vous savez que si on veut aller sur la Lune avec Apollo, on essaie d'envoyer la fusée à plus de 40 000 km à l'heure, parce qu'à ce moment-là, on peut couper les moteurs et arriver sur la Lune. Pour repartir de la Lune, venir dans l'autre sens, eh bien, moins de masse, plus petit rayon. Voilà. Et avec tout ça, un trou noir, c'est quoi? Ben, un trou noir, c'est un objet où il y a tellement de masse dans un rayon aussi petit que la vitesse pour s'échapper du champ gravitationnel de la planète est supérieure à la vitesse de la lumière, ce qui est interdit par la loi, on ne peut pas. Et donc, si je suis sur un trou noir avec ma lampe de poche et je signale aux copains de venir me passer, on va au ciné ensemble, je ne sais pas quoi, ben non, 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 ça ne marche pas. Donc, voilà, ça vous le savez bien, hein, les nuages de poussière de gaz coalescent avec un peu de turbulence et me font des étoiles comme le Soleil, ou des étoiles massives. Le destin final, ça dure des milliards d'années. Hein. On est tranquille dans notre système solaire, on a le temps de s'installer sur la planète, des dinosaures, bon, tout ce qu'on veut, voilà. Et puis, nébuleuse planétaire et une naine blanche. S'il y a plus de masse, eh bien, s'il y a beaucoup de masse, ça finit en trou noir. S'il y a moins de masse, ça finit avec une étoile à neutrons. Et ça passe par une supernova. Et puis, on croit tous au recyclage, la poussière d'étoiles qu'on génère, et on recommence. Donc ça, vous le savez, je ne vais pas insister là-dessus. Les naines blanches, je pense que vous le savez que... Oups, pardon. Voilà. Quand il n'y a plus de carburant, l'équilibre maintenant, il n'y a plus l'explosion, donc l'étoile se comprime à la densité maximum, et donc la taille minimum, qui est à peu près la taille de la Terre. Et la densité minimum, ben, c'est... Ben, en fait, voilà, quelle est la densité minimum? Quel est le maximum d'atomes qu'on peut mettre dans un contenant? Eh bien, on fait une analogie. Aux États-Unis, dans les années 50-60, la grande mode, c'était de répondre à la question essentielle: combien d'étudiants est-ce qu'on peut mettre dans une cabine téléphonique? Ils se faisaient des concours. Eux, c'était pas mal. Voilà. D'autres personnes, bon, ils sont... Voilà. Ça, c'est le métro à Tokyo, aux heures de pointe. On attend, et puis il y a des agents qui sont là pour assurer qu'on atteint le maximum de passagers dans un rame de métro possible. Voilà. Alors, selon la nature de l'atome... Est-ce que c'est des atomes un peu grassouillés, un peu musclés, avec plein d'énergie? Ou est-ce que c'est plutôt des atomes un peu plus calmes, menus? Donc, selon les détails des atomes, on peut en mettre plus ou moins. Une naine blanche normale que vous connaissez, c'est hydrogène, hélium, peut-être un peu de beryllium. Donc, c'est plutôt des atomes petits et on peut en mettre plein. À la différence de les étoiles massives, le cœur devient que du fer, nickel, cobalt, principalement du fer, et c'est comme une naine blanche, mais c'est comme une naine blanche avec les gros étudiants américains, et donc les détails de la taille, la densité ne sont pas les mêmes. Dans une étoile massive, la gravitation est tellement forte que la compression, la chaleur sont telles qu'on accède à des processus de fusion qui font les éléments lourds, qui pleuvent. Je fais du carbone, je fais du soufre et silicium, et ça pleut, et ça tombe jusqu'au cœur, transformé en fer, et on verra plus tard que le fer, c'est l'isotope le plus stable qui soit, qui répond à la question que vous vous êtes toujours posée: pourquoi est-ce que le fer
est si peu cher. Ça ne coûte pas beaucoup, le fer. En fait, le cœur de la Terre, c'est du fer, il y en a plein. Les météores qui tombent, c'est du fer. Donc le fer, c'est abondant. Ce qui est rare est cher. Le fer n'est pas cher parce que ce n'est pas rare. Bon courage aux traducteurs. Voilà. Donc, les étoiles massives, ça existe. Les types Fourier, je suppose que vous en connaissez mieux que moi. Et à la fin de vie, ce cœur en fer, cette naine blanche, entre guillemets, en fer, eh bien, ça écrase tellement que les atomes, les électrons, arrivent à portée de main des neutrons. Ça s'appelle capture de neutrons. Les protons. Charge négative, charge positive, dès qu'on dépasse la résistance due à la mécanique quantique, ça se capture, ça devient neutron, le neutron s'échappe, et tout à coup, cet immense volume, un atome c'est grand, hein, un atome c'est un tout petit noyau et plein d'espace vide. Mais si on se débarrasse des électrons, je n'ai plus que le volume du noyau, et ça fait que mon cœur en fer, qui était la taille de la Terre, devient une étoile à neutrons qui est la taille d'une ville sur Terre, et ça laisse un trou. Et l'étoile tombe dans le trou, et ça s'accélère à des vitesses proches de celles de la lumière, et ça fait baboum, ça fait une grosse explosion, qu'on peut voir. Tout astronome espère en voir avant de mourir. Ça, c'est les vestiges d'un supernova vu en 1054 dans la tête du taureau. Et au milieu, on ne le voit pas sur cette photo, mais il y a une étoile à neutrons, un pulsar. Je vous concède que supernova, hypernova, kilonova, ça fait beaucoup de nova, on se perd un peu. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, Bordeaux, 26 kilomètres. C'est pas très grand. C'est amusant, hein, parce que j'ai dit que ce qui compte, c'est la quantité de masse et un rayon. Le rayon est tout petit, c'est la masse du Soleil. Donc, pèse, hein, si vous avez un petit problème de surpoids, soyez tranquille, ce serait 200 millions de fois pire si vous habitiez sur une étoile à neutrons. C'est pas un trou noir, hein, la vitesse d'échappement ne dépasse pas la vitesse de la lumière. Mais c'est quand même la moitié ou le tiers de la vitesse de la lumière qui fait que ma lampe de poche, et je signale les copains, eh bien la lumière va orbiter. Si on est devant une étoile à neutrons, on voit l'arrière. Une étoile à neutrons, un champ magnétique, c'est un pulsar. Moi, je suis un spécialiste des pulsars. Et ce sera une autre fois que je vous raconterai les pulsars si vous me le demandez. Voilà. Et puis, juste pour continuer l'enchaînement, j'ai mon étoile à neutrons. Si je commence à jeter du matériel sur mon étoile à neutrons, eh bien, c'est amusant parce que ça gagne du poids, mais ça ne grossit pas, jusqu'à un poids maximal. Et puis là, les neutrons ne résistent plus à la gravitation. Et c'est comme ça qu'on se fait un trou noir. Alors, 2,5. 2,5. Alors, j'explique. Ça, c'est la masse d'une étoile à neutrons. Ça, c'est son rayon en kilomètres. Et chacune de ces courbes, c'est un modèle différent de la matière nucléaire. Est-ce que la matière nucléaire, c'est costaud et ça va résister à la compression, ou est-ce que c'est plutôt moins costaud et plus petit? Et donc, la réponse, c'est... Certains disent qu'une étoile à neutrons, c'est 11 km de rayon. D'autres disent, mais non, c'est plutôt 14. Et une grande question en astrophysique aujourd'hui et en physique nucléaire, c'est, eh bien, quelle est la bonne courbe? On veut jeter toutes les courbes qui sont fausses et n'en garder que la bonne. La nature a une courbe et aujourd'hui, on ne sait pas laquelle c'est. Eh bien, nous, avec les pulsars, on mesure les masses de quelques... Voilà, donc on a déterminé quelques pulsars à avoir un masse de deux fois la masse solaire, qui fait que tous ces modèles-là sont probablement bons pour la poubelle.
Mais quand même, il y en a plein d'autres qui sont encore admis. Bon, là aussi, voilà. Et donc, on aimerait bien mieux savoir. Et c'est là où, je vous rappelle qu'on avait dit que la patatoïde va se détendre en sphère, et ça va se faire plutôt de façon ping ou clank, ou entre les deux. Et bien, avec ça, on détermine les qualités de la matière, et on va pouvoir trancher. Et voilà, une fois de plus, avec ce seul événement de kilonova, ces observations qui ont duré finalement très peu de temps, on a fait un énorme pas en avant dans la compréhension d'une chose fondamentale. Voilà, tout ça je l'ai déjà dit. Et donc, on arrive au dernier point. L'origine des éléments. Pour vous et moi, il y a le Big Bang, donc hydrogène, un peu d'hélium. Vous êtes expert en étoiles, donc je pense que vous savez que le Soleil, c'est un cycle de carbone, azote, oxygène. Et j'avance juste un peu. Hein. On a confusément en tête tous les éléments. Je donne mon secret, hein, je donne la chute de l'histoire. Mais dans le Big Bang, les étoiles normales, les étoiles massives, en fait, ça fait des années qu'on dit que tous ces éléments lourds viennent des supernovae. Mais on a constaté il y a quelques années que ça ne marche pas très bien. Il n'y a pas assez d'éléments lourds produits dans une supernova donnée. Le taux de supernovae par galaxie n'est pas assez élevé. Et le compte n'est pas bon. On ne sait pas expliquer qu'il y a eu suffisamment d'or sur la planète Terre à sa formation qu'on puisse un jour faire des alliances ou des plombs dans les dents. Hein? Voilà. Donc, les gens qui étudiaient les sursauts gamma et commençaient à développer cette idée de fusion d'étoiles à neutrons, eh bien, ils ont dit l'explosion. Voilà. L'animation qu'on a vue, les deux étoiles à neutrons qui sont catastrophiquement éjectées dans l'espace dans des conditions de chaleur, de densité, de vitesse absolument incroyables, eh bien, là, on va pouvoir faire les éléments lourds. Et c'est une des premières choses qu'on a vues. On a ici, donc là c'est visible, ultraviolet. C'est le télescope qui est embarqué sur le satellite SWIFT, qui est un satellite dévoué au sursaut gamma. Et on le voit un jour et demi après l'événement, 3 jours et demi, 1 semaine, 10 jours et demi. Et on voit que non seulement l'éclat diminue, mais comme Mercedes a dit, ce n'est pas seulement l'éclat total qui nous intéresse, mais c'est découper l'éclat en couleurs, et on voit qu'il y a plein de structures qui apparaissent et qui évoluent, et que c'était plutôt visible, mais ça va vers l'infrarouge. Et tout ça a été précisément prédit par les inventeurs de cette théorie de kilonova en disant, on va générer des quantités immenses de matériel, d'éléments radioactifs, chauffés à blanc, et puis ça va se calmer, et c'est exactement ce qu'on a vu. C'est exactement ce qu'on a vu. Alors, pour visualiser ça, moi j'essaie d'imaginer Tchernobyl, Fukushima, des milliards, de Fukushima, voilà. Et tout ça, un mélange invraisemblable de tous les éléments. Bon courage pour le traducteur. Une bouillabaisse, une ratatouille, un pot-pourri, un fourre-tout, un mélange invraisemblable, hein, pire que le marché des puces le dimanche matin, et répandu dans l'espace. Et c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on voit. 10 fois la masse de la Terre en or et en platine ont été générées pendant cet événement-là et envoyées en poussière d'étoiles. Et donc, aujourd'hui, on peut affirmer que tous ces éléments lourds, eh bien, c'est un mélange de processus. Il y a les supernovae, il y a des interactions entre les rayons cosmiques et le gaz interstellaire, il y a les hypernovae un peu, mais on a compris qu'un composant majeur qu'on ignorait avant, ce sont ces fusions d'étoiles à neutrons.
on aime bien le fer. Hein. Beaucoup d'entre nous, on a des automobiles qui sont faits en fer. Et donc, juste pour dire que c'est l'isotope le plus stable. Donc, tout processus de fission, on gagne en énergie. Tout processus de fusion, on gagne en énergie. Et là où il faut payer de l'énergie pour sortir de la vallée, eh bien, c'est de faire le cobalt de nickel. Ça, c'est mon dernier transparent. Donc, je vous remercie de votre attention. Et s'il y a des questions, je tâcherai de répondre. Merci. ¿Alguna pregunta? ¿Va a haber alguna manera para extraer información de los gamma ray bursts del objeto que ha enviado ese estallido de rayos gamma? Traducción dans une autre langue, s'il vous plaît. No entiendo español. You don't. Okay. Is there a way to extract information from gamma ray burst about the object that actually sent the gamma ray burst? Bah oui. Yeah. Bah oui. Donc je répète la question. Est-ce qu'il y a une façon d'extraire des informations des gamma, d'un sursaut gamma, pour savoir quelle est la chose qui a produit le sursaut gamma? Eh bien, vous m'aurez posé la question en 2016, j'aurais dit, bon, oui, on espère bien que oui. Voilà, j'aurais donné un oui un peu mou. Mais depuis qu'on a vu ça, pour les sursauts courts, on a vraiment un modèle extrêmement complet qui nous parle en détail de la masse de chacune des deux étoiles à neutrons, de la masse et la composition, non, pas la composition de l'objet final. On ne sait pas si dans cet événement-là, si le sphère final était une étoile à neutrons ou un trou noir, on ne sait pas. Mais... Ah. Non, on ne peut pas détecter les sursauts gamma des étoiles de troisième génération, par exemple. C'est quand même des... Bah, pour les sursauts courts, c'est que des étoiles à neutrons, donc là, non. Pour les sursauts longs, l'étoile précurseur est une étoile massive assez particulière, donc c'est quand même des objets bien spécifiques. Donc on apprend énormément sur ces objets, mais pas les autres objets que vous évoquez, hélas. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, agradecerle la conferencia. Le damos aquí los meteoritos. Muchas gracias. Bueno, ahora haremos la foto de grupo luego al salir. Tenemos la comida y en la comida pues agradeceremos tanto a los traductores que han estado traduciendo las conferencias como a todo el personal que está aquí en el Palacio de Congresos y ha colaborado. Pero bueno, os guardábamos un postre para el final, algo especial, una sorpresa. Y deciros que nosotros hemos cumplido 25 años hace poco. Y el grupo que viene ahora ha cumplido también 25 años hace poco. Ellos son la Ronda de Voltaña y es el mejor grupo actualmente de canción tradicional aragonesa que hay aquí en esta comunidad autónoma. Con todos vosotros, la Ronda de Voltaña.